Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du guide pour bien débuter à Minecraft. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les conseille. En suivant ma partie, vous apprendrez à jouer au fur et à mesure, de manière tout à fait abordable. Nous avons pu voir ensemble, nous sommes à l'épisode 11, nous avons pu voir ensemble de l'élevage, de l'agriculture, un petit peu d'architecture, et je voulais dire à tous ceux qui trouvent ma maison moche, qu'ils ont raison, mais le but était de montrer comment fabriquer ces magnifiques blocs que n'on trouve pas forcément à l'état naturel, à l'exception de la sandstone. Voilà. Coucou. Coucou les amis. Coucou les chiens fidèles. Et aujourd'hui, on va aller s'occuper du niveau de français de nos viewers, qu'on peut rapidement constater qu'il est faible dans mes commentaires, dans les commentaires de la chaîne. Et pour cela, je vais avoir besoin d'émasculer des poulpes. Des poulpes qui ont décidé de disparaître pour l'occasion. Hop, il n'y a pas un poulpe qui traîne. Petit poulpe. Petit poulpe. J'aimerais ne pas avoir fait 12 km pour trouver un poulpe. Ouais, il y a des chiens, les chiens dans les arbres, normal. Un poulpe. Mais c'est un comble. Ah, voilà. Alors, ce n'est pas obligatoire. Ça servira à faire des livres dans lesquels on peut écrire. Voilà. Et je me rends tout de suite. Hop, tu vas mourir. Oui, et j'ai récupéré une poche d'encre. Bon, ça suffira. Je retourne à ma maison. Et je rentre à ma maison. Hop, en courant, c'est pas grave. Si je perds un peu de bouffe, hop. Si ça développe ma faim, c'est pas grave. Et je vais me lancer tout de suite dans la fabrication des livres. Pour fabriquer des livres, j'aurai besoin de cuir. Oui, de canne à sucre, oui. Je vais même voir si... Est-ce que ça me... Pas besoin forcément plus de canne à sucre. Par contre, de beaucoup plus de cuir, ça, c'est évident. Allez, on va essayer de ne pas tuer les petits. Ça va être dur parce qu'ils sont un peu à l'étroit. Voilà, toi meurs. Toi aussi. Il reste plus qu'un gros... Hop, ça me fera aussi un stock de bouffe. Meurs ! Voilà ! Allez, petit. On reste là. Parfait ! Voilà, j'avais procédé à de la reproduction en masse et je me retrouve donc avec 11 cuirs. Et je vais procéder à la fabrication de mon premier livre. Alors pour faire un livre, ça se passe sur 4 cases, donc pas forcément besoin d'une table de craft, sauf pour transformer votre canne à sucre en feuilles de papier. 3 cannes à sucre, 3 feuilles de papier. Voilà, ça c'est fait. Et vous pouvez répartir ainsi les feuilles de papier. Hop, donc 10. Avec du cuir ici et tada, des bouquins. Super. Alors, des bouquins, c'est bien. Je peux transformer un bouquin. Ça va pas m'arranger. C'est pas grave. J'en aurais voulu plus parce que du coup j'avais un nombre pile poil. Je peux fabriquer avec une plume, de l'encre et un bouquin, un livre dans lequel on peut écrire. Voilà. Et si je fais un clic droit, je fais test. Et down. Voilà. Mais je peux revenir dedans et le réécrire. Et si je fais sign, je le termine. Ça veut dire je le signe. Et il y a des pages comme ça. On peut en avoir une dizaine. Ah ben même plus que ça. Ouh là là. Voilà. Donc si vous avez envie d'écrire votre vie, laissez ça dans des coffres où vous laissez des indications très importantes sur là où vous avez caché le trésor. Vous le faites. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, combien on a de bouquins, on en a 9, c'est de fabriquer une table d'enchantement. Table d'enchantement, j'avais ramené l'obsidienne par ici. Pour pouvoir le faire, je pose ma base. 2 diamants, hein, ça fait mal.
hop, et un bouquin. Alors je regarde, j'aimerais bien. Non, ça marche pas. J'aurais bien aimé pouvoir. Et si je le signe? On va voir si je le signe. Hop. Ah ah ah. Voilà. Est-ce que je peux le recycler? J'aimerais bien pouvoir le recycler, ça m'éviterait. Ça me ferait un nombre pile poil pour ma bibliothèque. Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Et j'ai fait ma table d'enchantement avec ce craft quand même assez ressemblant, avec un livre à son sommet. Vous allez comprendre pourquoi, parce que tout simplement, quand on la pose, on voit qu'il y a un livre dessus. Et j'avais prévu de le poser ici. Tadam, c'est joli. Ça me suit dans la pièce, c'est beau. Alors, ça me permet d'accéder à des enchantements relativement simples. Vous voyez, niveau 6 maximum. Ça va pomper sur mon niveau actuel. Ah, j'ai fait un petit trou là. On ira tout à l'heure. C'est pour aller dans l'under. Hop, et je vais me faire des bibliothèques. Pour vous faire des bibliothèques. Combien il me reste de cuir? Il me reste un. Je vais me faire un livre de plus. Comme ça, j'aurai trois bibliothèques. Hop. Oui, pour récolter, on récolte que la partie haute. Ça évite d'avoir à replanter. Allez, je cours pour ne pas perdre de temps. Parce que je veux parcourir un petit peu les enchantements. Alors, je ne vais peut-être pas vous lister tout ce qui est disponible. Il y a le Wikipédia qui est fait pour ça. Hop là. Et un bouquin supplémentaire, s'il vous plaît. Voilà, 9. Et je vais pouvoir me faire enfin mes fameuses bibliothèques. Pour faire une bibliothèque, il faut encadrer des bouquins de la façon suivante. Hop. Donc, vous voyez, et je vais mettre suffisamment de planches pour pouvoir faire 3 bibliothèques. Voilà. Hop là, 3 bibliothèques que vous pouvez utiliser en décoration ou disposer autour de votre table d'enchantement pour bénéficier de bonus. Vous pouvez en mettre jusqu'à 15 comme ça, à maximum 2 de distance, pareil en diagonale, ça fonctionne. Donc j'aurais très bien pu, je peux en mettre là, je peux en mettre là. Hop. Jusqu'à ce que ça fasse 15, hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, enfin, je me comprends, et peut-être un autre ici, voilà, pour faire 15. Donc là, je vous le montre avec du bois, hein. L'objectif, c'était de vous montrer avec la bibliothèque. Ce n'est pas grave, comme ça, au moins, j'ai le format de la pièce, et vous voyez tout ce savoir qui circule, et qui me permettra d'avoir des enchantements un petit peu plus intéressant. Et je vous rappelle que cet arc enchanté, je l'ai looté sur un squelette. Alors, le niveau maximum désormais pour les enchantements en coût va être de 30. Hein. Et je vais essayer d'enchanter les choses dont je vais avoir le plus besoin et qui sont intéressantes à enchanter. Alors, je vais enchanter mon armure, mon épée en diamant, et ma pioche en diamant, et mon arc aussi. Voilà, et on va voir ce que ça nous propose. Donc là, je rêve, les amis, qu'on me propose fortune, c'est tout ce que je... c'est l'enchantement max, voilà. Voilà. Si on ne peut enchanter qu'une fois qu'un objet, si vous voulez le désenchanter, vous le réparez de la manière dont je vous ai appris, en sachant que plus tard, vous pourrez réparer vos objets enchanté en gardant l'enchantement grâce à l'enclume qui sera ajoutée avec la prochaine mise à jour, la version 1.4. Là, je vais chercher enchanté. Ça, c'est un alphabet un galactique hein, qui correspond à un jeu vidéo, Commander Keen, que je ne connais pas. C'est un vieux jeu vidéo. Et il y a possibilité, en trichant un petit peu et en modifiant le Minecraft.jar, d'avoir le vrai nom de l'enchantement. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Donc là, c'est un petit peu le hasard et on va voir ce que ça me propose. Clang. Unbreaking 1, alors là je suis un petit peu dégoûté parce que simplement elle est incassable, donc elle va être légèrement plus solide.
Eh bien, écoutez, hein, c'est le jeu. Hein. Ce qui est très intéressant pour une pioche, ça va être, et ce qu'on espère un petit peu, ça va être fortune. Fortune qui vous permettra de looter plusieurs blocs quand vous allez casser. Donc, quand vous tombez sur des diamants, vous aurez des chances d'en avoir plus que prévu. Hein. Ça c'est plutôt cool. Il y a aussi toucher de soi, enfin délicatesse, silk touch, qui permet de récupérer un bloc en l'état, c'est-à-dire de récupérer un bloc de verre sans le casser, mais aussi, pourquoi pas, un bloc de diamant, et je vais fermer la porte, hein, il fait nuit, un bloc de diamant, de le ramener chez soi, et puis de le casser ensuite avec une pioche qui est enchantée avec fortune, pour avoir plus de diamants. Le toucher de soi délicatesse vous permettra aussi de récupérer des blocs, au lieu d'avoir des blocs de cobblestone, vous aurez des blocs de smoothstone, donc la pierre lisse, en l'état. Très pratique si vous voulez faire des grandes constructions. Donc voilà pour ce qui est de mes enchantements préférés pour la pioche. On va voir un petit peu ce que ça nous propose pour l'arc. Hop là. Ouais, allez, pourquoi pas. Niveau 9. Power, ah, je suis dégoûté. Bon, il sera un petit peu plus puissant. Hein, exactement comme celui que j'ai looté. Hein, c'est pas grave. Ce qui peut être intéressant, vraiment intéressant pour l'arc, c'est l'option infinité. Donc Infinity, qui vous donne à partir d'une seule flèche, vous avez une infinité de flèches, donc vous n'en aurez plus besoin de l'en crafter, ça c'est vraiment génial. Et aussi pour les arcs, ça va être poum, 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 flamme, voilà. Ça veut dire vous pourrez mettre le feu à la cible, ce qui est plutôt pas mal. Pareil pour les épées. Alors l'épée, allez, fais-moi une petite flamme, s'il te plaît. Hop. Niveau 8. Ah bah non, il me restera pas assez. Allez, niveau 6. Voilà, je ne vais pas pouvoir enchanter. Smite, smite, c'est. Représailles, comment c'est smite? Non, châtiment, châtiment, la bonne traduction. Et en fait, elle fait un petit peu plus mal. Donc voilà, j'ai eu des enchantements merdiques. Ce qui est pas mal, pareil avec l'épée, c'est quand elle enflamme vos ennemis. Il y a possibilité qu'elle vous donne plus de butin aussi en tapant les monstres, ça c'est pas mal. Ou alors qu'elle enflamme vos ennemis, c'est vraiment cool. Enfin voilà, à vous de découvrir un petit peu ce que le jeu va vous proposer. Et à défaut d'avoir beaucoup de points qui me restent, je vais enchanter mon armure avec une simple protection 1. J'ai eu le droit aux trucs les plus pourris, hein. Ceux qui connaissent le jeu pourront vous le dire, à part le fait que j'ai une belle armure qui brille. J'ai eu des enchantements de merde. Voilà, mais c'est le jeu, hein. On fait avec. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais voir un truc. Je vais avec mon épée qui est un petit peu plus solide. Bon, ma pioche qui dure plus longtemps, bon, ça fait toujours plaisir pour une pioche en diamant. Alors, la houe n'est pas enchantable, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai des belles armes qui brillent. Et bientôt, on pourra renommer les épées. Je mettrai par exemple l'épée mortelle du Fanta qui tue. En guise de titre, non, il n'y a rien par ici. Chop, 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 chop. Donc, on a vu les bibliothèques, les tables d'enchantement. On a vu les livres dans lesquels on peut écrire. Je vais vous montrer un truc qui est plutôt accessoire, mais bon, vu que je veux voir tous les aspects du jeu avec vous, je vais tout vous montrer. Qu'est-ce que j'ai ici? Un champignon. Hop, faire attention au creeper. Hein. Il y a le fléau des anthropodes comme enchantement qui est sympa et qui est plus fort contre les araignées. Hop. Oh! Je me demandais d'où elle me tapait. Et j'ai pas crié pour une fois. Je cherche des champignons en fait, des petits champignons rouges. Je vais voir si j'en trouve. Est-ce que j'avais pas vidé mon coffre? Je suis déjà allé regarder là. Dans mon vide-poche. Oui, j'ai vidé là. Non, c'est pas de champignons rouges encore. Un zombie qui joue à cache-cache. Pas de champignons rouges. Bon, tant pis pour les champignons rouges, c'était pour simplement vous montrer.
Les champignons rouges sont plus intéressants parce qu'ils vous permettent de faire des petites maisons. Ah là, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, il faut que ce soit à l'abri. Ouh là là. Non! 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 Mon épée! Mon armure, tout! C'était un piège! C'était un piège. Bon, en même temps, des creepers. Il n'y en a plus des tonnes. On court, je récupérais tout ce qui se passe. Oh là 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 là, le drama. Alors là, c'était, j'ai eu l'impression d'être dans un flipper. Tiens, dégage, tiens, 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 tiens. Hop. Vite, l'épée. À portée de main. Ma pioche. Hop, et laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Voilà, je me suis répandu partout. À l'abri, vite. C'est pas grave, le truc des champignons, je vous le montrerai une prochaine fois. J'ai eu peur, maintenant je m'enferme. Allez, on se rééquipe. Hop. Ah, j'ai perdu. Non, j'ai rien perdu d'autre. Hop. Mon épée, c'est bon. Ma pioche, c'est bon. Et je propose qu'on aille dans le Nether. Comment on va aller dans le Nether? Est-ce que j'ai du silex quelque part? Je vais m'occuper de toi. Voilà. Du silex quelque part? Bah non, j'ai pas de silex quelque part. C'est pas grave. Je vais m'en fabriquer. Hop. Donc je vous rappelle qu'on obtient du silex en ramassant du gravier. Voilà. Et avec du silex et un lingot de métal. Oui, c'est vrai que j'en ai beaucoup sur moi, j'ai pris des risques énormes. Hop, je regarde quand même à côté, ça serait bête de faire n'importe quoi. Alors je confonds toujours dans quel ordre on les met. Oui, c'est comme ça. Un lingot de métal, un silex, ça vous fait un briquet. Et ça va me permettre d'anticiper et de vous donner envie de regarder le prochain épisode en créant un portail vers le Nether. Le Nether. Alors, pour faire un portail vers le Nether, il vous faut 14 blocs maximum. C'est-à-dire, on remplit comme ça jusqu'en haut d'obsidienne. Mais on peut faire quelques économies en plaçant des blocs comme ça. C'est ce qu'on va faire. Hein. Économie, économie. L'intérêt. Et oh, oh. Pitié. Voilà, ça c'est Fantafail, Fail Tasio 974, hein. Plus connu sous ce nom là. Et bah non, pareil, un petit bloc pour économiser. C'est assez grand. Oui. Et de l'autre côté, les enfers. Le Nether. Et ça se passera dans le prochain épisode. Je vous montre un petit peu, juste pour vous montrer un petit peu l'aperçu. Je suis pas du tout préparé, j'ai vraiment trop d'affaires sur moi. J'espère que je vais pas tomber dans le vide, ce serait vraiment ballot. Ouf, non. La terre ferme. Oh, je suis quasiment à l'abri. Eh bien, ça sera dans un prochain épisode où on pourra observer cette pierre de sang. Voilà. Et je rentre à ma maison. Ouh. Et je vais rentrer. J'ai mon inventaire. J'ai bien mérité une petite pause. Bisous à tous et merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et si vos amis ne savent pas jouer à Minecraft, conseillez alors ce guide. Je veux dire, niveau... actualité, le fait qu'il soit beaucoup plus récent, c'est quand même plus intéressant que le précédent que j'avais fait en alpha, qui vous amenait dès le début à une mort certaine si vous le suivez. Bisous à tous, au revoir.